Fun Radio, Christina Guillotin. 7h30, bon réveil à tous. On prend des nouvelles de Justin Timberlake ce matin dans l'info Fun Radio. Vous le savez peut-être, le chanteur bosse en ce moment sur son nouvel album. Il travaille avec deux pointures, Timbaland et Will.i.am des Black Eyed Peas. 12 titres sont déjà prêts, mais l'album ne sera pas terminé avant le printemps. Et la sortie est prévue pour cet été, donc un tout petit peu de patience. Et puis d'ici cet été, vous le verrez au ciné dans le film Edison, aux côtés de Kevin Spacey et de Morgan Freeman. On passe à la météo, c'est pas terrible. Aujourd'hui, une perturbation pluvieuse va traverser la France. Ce matin, les pluies s'étendent sur toute la côte atlantique. Méfiez-vous du brouillard et du verglas sur le nord-est. Au fil de la journée, malgré de très beaux rayons de soleil sur le nord et l'est, la perturbation va gagner pratiquement tout le pays. On passe aux températures, il fait moins 5 degrés ce matin à Besançon, moins 2 à Lyon, 1 degré à Paris, 4 à Nîmes, 6 à La Rochelle. Au meilleur de la journée, il fera entre 1 et 12 degrés, 1 degré pour Strasbourg et 12 pour Ajaccio. Et voici venu le contrat première embauche. Dominique de Villepin doit annoncer aujourd'hui la création de ce contrat pensé pour les 18-25 ans. Les entreprises qui recruteront des apprentis ou bien des contrats à durée déterminée n'auront plus à payer de charges sociales. Le Premier ministre souhaite également faciliter l'accès au logement pour les jeunes avec un contrat nouvelle embauche ou un contrat première embauche. Les banques... Today was gonna be the day they were gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. The backbeat, the weather's on the street, that the fire in your heart went out. And I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. We have.
Tu vois pas le numéro de la route là ? Attends, fais voir. Ah mais merde, c'est pas le bon bois. Oh, tu crois ? Ouais. On est plus loin. On est si loin que ça ? Mais oui. Je pense. C'est longtemps que je fais. Oh merde ! Oh putain, non, pas ça. Allô ? Oui, bonsoir mademoiselle. Oui, ce serait pour une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Chambre 96. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Tu ne veux pas dormir toute la journée, non ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? J'arrête de fumer. Tiens, c'est nouveau, ça. Ça t'a pris comme ça ? Quoi, ça m'a pris comme ça ? C'est quoi, cette question ? Non, j'y réfléchis un peu, et voilà. Oui, ben en attendant, lorsque tu prends ce genre de décision, évite de jeter mes affaires. Ok ? Bonsoir messieurs dames, c'est pour manger ? Non, c'est pour faire un tennis. Fumeur, non fumeur ? Fumeur. Paul ! Ok, un instant. Non fumeur ! Yeah.
le fais exprès, là, ou quoi? Pardon? Ta clope. Quoi, ma clope? On est dans un espace fumeur, je te ferais dire. Justement, j'ai même pas eu mon mot à dire. Non, mais... J'aurais juste aimé que tu penses un peu plus à moi. Mais tu me fais quoi, là? Là. Vous souhaitez un excellent appétit. C'est quoi? Je vais la finir aux toilettes. Et en cachette, puisque ça te fait chier. Non, bah c'est bon. Oh, puis merde. T'es contente? Très contente. Je reviens. Tout va comme vous vouliez, monsieur. Il y a du monde dans la salle. Rinaldo frappe de loin, Sabier. Ah, il a voulu la sauver, il a voulu sauver le corner, mais il n'a pas pu. Alors que l'on joue depuis, vous le voyez aussi bien que moi, allez. Et que normalement, on doit arriver à 48 minutes. 48 minutes. 46 minutes et 50 secondes. Denilson qui frappe le sixième corner de la deuxième mi-temps pour les Brésiliens, pied gauche toujours. Tu veux une autre bière? Non. C'est bon. Je vais y aller. Petit. Et but. Eh, t'oublies ton briquet. Ouais. Garde-le, cadeau. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50 qui a appelé ce ballon. Les Brésiliens, il vient crucifier. Tu me l'allumes? Oui. Attends. Ça marche pas? Excusez-moi, est-ce que vous auriez des allumettes, s'il vous plaît? Des allumettes? Ouais, je dois avoir ça.
Voilà, madame Taillandier, tout est là. Je pourrais faire davantage d'investigations, mais je pense qu'il est clair que votre mari a eu une aventure extra-conjugale avec cette femme. Je suis vraiment désolé.